Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. On va être sur un tirage général. Je vais d'abord prendre peut-être l'oracle rock en fait. Voilà. Hop. Oh là, il y a tout qui tombe. Ce qui donne. L'as de trèfle, le message de départ, pour notre as de trèfle, je vous donne les mots qui me viennent là, c'est pas, ça c'est pique, condition parfaite. James Brown, c'est lui, impose son rythme. Syncopé au monde, invente un des genres musicaux les plus importants du siècle. C'est la trajectoire exceptionnelle par excellence. James Brown est celui à qui l'impensable est arrivé au sens le plus positif du terme, mais s'il entretient l'illusion que ce qu'il fait est facile, c'est qu'il a travaillé sans répit. Il y a une idée de génie qui se met à l'humilité. Ouais, le travail, le travail, le travail. Je crois qu'on vous demande de ne pas abandonner en fait ce que vous êtes en train de faire, même si c'est difficile. Le travail paie. Voilà ce que j'entends en fait avec cette carte. On va aller sur le tirage maintenant du tarot du zodiaque, le tirage lui-même. Ne relâchez pas vos efforts. Avec le tarot, je vais couper. Oh, voilà, on parle de travail et l'as de bâton qui arrive en premier avec le hiérophante, la leçon spirituelle. Ok. Le 5 d'épée que je vais recouvrir tout de suite si c'est possible pour le 5 d'épée. Quel est-ce ? C'est le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle qui arrive sur le 5 d'épée, je vais juste vous prendre on vous rappelle en fait que ce qui est important, c'est le plaisir du parcours que le résultat lui-même. Voilà, c'est le plaisir du parcours. Dans le travail, il y a des bonheurs en fait cachés sur le parcours. Il a réussi, d'accord, mais c'est pas la finalité en fait. Donc vous allez rencontrer sur votre parcours des petits bonheurs, j'ai l'impression. Voilà. Le valet d'épée. Ouais, non, mais de toute façon, on est sur le 7 de bâton. Hein. C'est continuer à faire en fonction de soi. Et puis, ça parle bien des projets. On est dans les projets. Voilà. Hop. Pour maintenant, la touche finale, j'ai envie de dire, le domaine amour. En fait, il y a des opportunités en ce moment, donc ne relâchez pas, allez-y, foncez, surtout, voilà. Les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, ok, ou vous allez lui donner des nouvelles. Alors, qui est-ce qui va, je vais prendre mes cartes. La communication, oui, c'est vous qui allez devoir communiquer avec cette personne. Et bonheur, ouais, c'est ce que je vous dis. Hein. Le fait de communiquer vous apporte vraiment du bonheur, amour passionnel. Parce que vous êtes dans, elle tombe carrément sur la carte des projets, vous avez des projets en commun, amour passionnel. Voilà. Et accueillir ce qui est. Faut ouvrir les bras à cette personne, peut-être certaines personnes à mon avis bloquent ici dans le tirage. Couple sacré, voilà, c'est un couple important, c'est un couple sacré. Elle arrive sur la carte des projets. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt.